On est devant quelque chose qui fait peur au premier regard. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Certainement estampillé Z Gameplay et non pas test rétro, vu que j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus et que je pourrais pas non plus montrer grand chose. Mais j'avais quand même envie de parler de ce jeu, mine de rien, parce que je le possède, donc il faut bien que je vous en fasse une vidéo. Surtout que c'est un jeu qui a, on va dire, grandement gagné en réputation, en très mauvaise réputation évidemment, dû à certains vidéastes très connus, qui ont fait des vidéos sur ce fameux Tintin au Tibet, développé par Infogrames, hein, bien sûr, donc des enfoirés, voilà, faut dire ce que c'est, des enfoirés. Tintin au Tibet est donc un espèce de jeu de plateforme, un jeu de plateforme assez space, fait par des abrutis et des fumiers. Voilà, c'est comme ça que je pourrais c'est comme ça que je pourrais éventuellement le décrire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant cette vidéo? Bah, c'est simple. J'ai décidé de la tourner façon crash test. Façon crash test. Bon, je pense qu'à mon avis, vous avez sûrement dû voir les vidéos du joueur du grenier, évidemment, sur ce Tintin au Tibet. Que ce soit tout simplement son épisode dessus, donc du joueur du grenier, et également ses épisodes de JDG La Revanche, où il essaye de terminer certains jeux qu'il a déjà testés durant ses épisodes. Et ben là, ça va être un petit peu la même chose, sauf que ça va être différent, évidemment, vu que là, on n'est pas sur émulateur. On est sur, non pas Super Nintendo, mais sur Retron 5. J'aurais très bien pu utiliser ma Super Nintendo pour vous montrer ce jeu, mais en fait, ça vous aurait montré certainement une image de moins bonne qualité, peut-être beaucoup plus pixelisée, et ça m'aurait pris un temps fou pour synchroniser ma voix avec le jeu durant le montage. Donc j'ai envie de dire, la Retron 5, ça a quand même ses avantages. Eh ben, on va faire ça sous forme de crash test, voilà, ni plus ni moins. Alors, comme vous le savez, Tintin au Tibet, ça fait partie de ces jeux complètement putes, que ce soit par son système de continu qui est quasiment inexistant, je dis bien quasiment, notez-le, qui est quasiment inexistant, son système de 3 vies égale un game over, ces objets qui sont cachés dans le fond, enfin ce genre de conneries, le fait que tu sois touché par tout et n'importe quoi, juste parce qu'il faut mettre des obstacles, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais enfin bon. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, je vais le mettre en facile, parce que vous êtes bien gentil. Je vous ai demandé combien de continues vous vouliez me donner, tout simplement pour pouvoir le faire. Alors évidemment, quand je dis continue, c'est à la fin un game over et on reprend la partie, mais évidemment pas au niveau dans lequel je perds, parce que c'est là où on va avoir la subtilité dans cette vidéo. C'est que vous aurez en face de vous non pas une version sereine entre guillemets avec le joueur du grenier qui joue sur émulateur et qui utilise des save states. Non, même si sur Retron 5 on peut utiliser des save states, parce que même si on utilise la cartouche, ça reste quand même de l'émulation. Eh ben, on va pas faire ça comme ça. Voilà, moi je vais me faire souffrir et on va faire tout simplement le jeu, mais sans save state. Voilà, sans save state, juste avec ma bite et mon couteau, comme dirait l'autre, pour que vous puissiez vous rendre compte réellement à quel point ce jeu est pute. Voilà. Donc, allons-y. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de niveaux. Si ma mémoire est bonne, il y en a 12, je crois.
Pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai jamais, et je dis bien jamais, parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai ce jeu, à peu près 20 ans pour tout vous dire, je n'ai jamais dépassé le... c'était combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7ème level. Je n'ai jamais dépassé le 7ème level dans ce putain de jeu. Voilà. Donc, me pardonnerez si jamais je veux le mettre en facile. Déjà que je fais l'effort de ne pas utiliser de save state, je pense que vous me comprendrez. Enfin bon. Il y a quand même des trucs sympas que l'on peut dire sur ce Tintin au Tibet. À savoir sa réalisation graphique, qui fait partie certainement du plus gros point fort du jeu. Ni plus ni moins, parce qu'il faut quand même avouer que c'est très beau. C'est très joli et c'est très fidèle à la bande dessinée. Moi qui suis un véritable fanat de Tintin, que ce soit des BD ou tout simplement des épisodes qui passaient à l'époque sur France 3, c'est quand même ultra fidèle et super bien dessiné. Le problème, évidemment, c'est tout le reste. Voilà, c'est tout le reste. Les plateformes assez hasardeuses, un gameplay vachement rigide. Ce genre de conneries. Donc, surtout que les levels en soi ne sont pas vraiment très longs. Hein. Les niveaux ne sont pas vraiment très très longs. Mais, comme vous allez le voir, c'est pas parce que les niveaux sont pas très longs que forcément on va réussir à passer normalement ce jeu. Très très loin de là. On va essayer de passer par là. Le premier level consiste tout simplement à aller sauver Chang. Donc ça, si jamais vous avez lu ou regardé le Lotus Bleu, vous savez qui est Chang et d'où est-ce qu'il vient. Et là, on va avoir, normalement, si tout va bien, parce que vous vous doutez bien que je me suis entraîné pour jouer à ce machin. D'accord, un hit gratis. Vous vous doutez bien que je me suis entraîné pour jouer à ce truc. Eh ben, avec toutes les séries d'entraînement que je me suis fait, je n'ai jamais dépassé le level 7. Jamais. Voilà. Alors je sais, j'aurais pu utiliser des save states pour pouvoir m'entraîner normalement, mais ça m'aurait entraîné, mais dans de mauvaises conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tout se passe bien, le level 1 et 2 sont très faciles à passer. Le level 3... j'ai du mal à le passer, et le level 4, je l'ai passé une seule fois. Et je dis bien une seule fois. Parce que, souvenez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo, il y a un semi-système de continu. À savoir, je crois qu'il y a 12 niveaux dans ce jeu. Et si vous voulez, vous avez deux mots de passe. Je crois dans ce jeu que vous pouvez obtenir en terminant le level 4 et en terminant le level 8. Voilà. Sauf que si jamais vous crevez, que vous avez un game over, eh ben vous n'avez pas évidemment de continu, de véritable continu. Autrement dit, vous ne commencez pas au level où vous avez où vous êtes mort. Mais si jamais vous avez par exemple déverrouillé le mot de passe du level 4, et ben quand vous allez recommencer votre partie, vous allez recommencer mais au level 5. Voilà, donc c'est un semi-continu. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, le deuxième level, c'est plutôt une balade de santé, j'ai envie de dire. Mais il est impératif dans ce deuxième niveau d'avoir au moins deux points de vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un passage. Sachez bien sûr, encore une fois, je suis en facile, d'accord? Alors peut-être que pour vous ça ne veut rien dire, mais sachez que le niveau moyen, facile ou difficile, la seule chose qui change, c'est tout simplement plus d'obstacles, voilà. Oh, putain, et les hitbox complètement pétés, ça c'est un truc magnifique dans ce jeu. C'est tout simplement plus d'obstacles. Voilà, ni plus, ni moins, putain de Pékinois. Si jamais, là je suis en facile, donc j'ai le minimum d'obstacles possible. Et ben je peux vous dire que même avec le minimum d'obstacles, ça devient n'importe quoi à certains moments.
mais vraiment un truc de taré. D'ailleurs, il y a une chose qui me vient en tête. Je dis ça pour ceux qui ont regardé les vidéos de JDG La Revanche. Souvenez-vous que dans ces vidéos, il avait un gros problème avec le timer. À savoir, il se retrouvait très souvent à la limite du temps. Et il y a un ou deux levels où je crois qu'il était carrément à la fin du temps imparti. Chose que je n'ai pas compris concernant certains levels. Ou alors il progressait de façon vraiment très très lente. Parce que pour tout vous dire, dans les 7 niveaux que j'ai parcourus, dans les 7 levels... Je passe gaffe à ça. Dans les 7 levels que j'ai parcourus, je n'ai jamais été trop court niveau temps. Voilà, donc je ne sais pas comment ça se fait qu'il a ce problème de timing, enfin bon, de timer, pardon. Regardez ici, j'ai de la chance, il me reste encore 2 points de vie. Heureusement, parce que vous voyez cette porte de PD là ? Un Pékinois qui passe. Ok, tout va bien. Cependant, il y a cette porte là. Ça fait partie des saloperies typiques d'Infogrames. À savoir des passages où tu es obligé, et je dis bien obligé, de te faire toucher. Tout simplement parce que voilà, si jamais ce n'est pas le Pékinois qui te touche, c'est la porte. Donc là, tu te retrouves avec un mur en face de toi, et tu peux tout essayer. Tu peux tout essayer. Essayer d'esquiver le Pékinois, ce n'est pas possible. Si tu sautes en étant immobile, la hitbox pourrie du Pékinois va tout simplement te toucher. Si jamais vous faites comme je viens de le faire, sauter par-dessus le Pékinois, c'est la porte qui va te toucher. Si jamais t'essayes de faire apparaître le Pékinois, reculer et ressauter, c'est la porte qui va te toucher. Bref, tu ne peux pas esquiver un truc comme ça. Et il y a pas mal de phases comme cela dans ce putain de jeu. C'est infect et infernal. Et le pire, c'est qu'à certains moments, tu te fais toucher par des trucs, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu pètes une durite quand tu joues à ce style de jeu. Quand tu meurs à cause d'une feuille, quand tu meurs à cause d'une goutte d'eau, à cause d'un petit caillou, quand tu meurs parce que un yak complètement inoffensif t'a soufflé dessus trop fort. Mon dieu! Infogrames, quoi. C'est les spécialistes de ce genre de conneries. Et bah putain, dans celui-là, je n'ai pas joué à Tintin et le Temple du Soleil. Heureusement, parce que je tiens quand même à ma santé mentale, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis uniquement 10 continues, et non pas une trentaine, comme il y en a beaucoup qui me l'ont... Ah non, descends. Et voilà, magnifique. Putain de grand-mère. Et non pas une trentaine comme beaucoup d'entre vous me l'ont... Tiens, tenez, je vais mettre pause 2 secondes. Nombre d'entre vous me l'ont proposé. Je sais très bien qu'il me faudrait au moins une cinquantaine, voire une centaine de continues pour pouvoir terminer ce putain de jeu. Et là, maintenant, on a un deuxième problème de ce jeu, qui évidemment a été pointé du doigt par le joueur du grenier, mais uniquement avec le chinois. Voilà. Je veux juste quand même vous préciser quelque chose. Comme vous le savez, certainement, dans ce putain de niveau, il faut trouver un espèce de petit garçon chinois qui nous file une balle et qui nous demande tout simplement de le suivre. Voilà. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Et non, parce que tout simplement, si jamais vous continuez d'aller à droite, pour aller voir le petit garçon, eh ben sachez que ce petit garçon n'apparaît pas si jamais vous n'avez pas parlé au mec qui se trouve ici. Voilà. Oupidou. Le gamin n'apparaît pas si jamais vous ne parlez pas à ce mec là. Ce qui fait que très souvent, allez, cassos, faut que je fasse gaffe ici parce qu'il y a des... Il y a des saloperies et je n'ai plus de points de vie. Il y a une pomme là-bas, c'est cool. La pomme nous redonne tout simplement de la vie. On va rester en bas parce que... Allez, descends. On va rester en bas parce que en haut, il y a des grands-mères tout le temps. Une petite chose également que je n'ai pas compris. Alors peut-être que c'est dans le mode moyen ou dans le mode difficile. Je ne sais pas. Allez, Tintin. Les cloches.
les fameuses clochettes que vous voyez ici, qui normalement sont là pour vous toucher, et ben bizarrement, moi, elles ne me touchent pas. Vous pourrez le voir certainement quand on va continuer d'avancer. Putain, il faut... Oh, putain, Dieu que je déteste ça. Oh là là. Essayer de rester en bas. Je crois qu'il y a une... Il y a une vie pas loin, il me semble. Là. Hop là, une pomme, c'est déjà ça. Je crois qu'il y a une vie pas loin, et croyez-moi, je vais en avoir besoin. Putain, mais ce mec, il se balade avec sa planche en bois, on sait pas pourquoi. Il y a encore une pomme, c'est cool. Là, pour l'instant, étant donné que j'ai parlé au gamin et récupéré la petite balle rouge, il faut aller tout au bout du level, tout simplement, pour pouvoir voir Milou. Oh putain. Barre-toi. Allez, avance. Avance, Tintin. Je vais essayer de récupérer une vie. Voilà, ça c'est fait. Allez, voilà. On peut passer par en haut. Attendre évidemment que la grand-mère passe. Mais faut quand même y aller. Attendez, il y a encore une grand-mère qui va venir. Il y en a des grand-mères hein, dans cette ville, hein, c'est impressionnant. Et elles font toutes du vélo. Et elles veulent toutes te buter. Voilà comment ça se passe dans ce jeu. Voilà, allez, on se casse. Et on passe au quatrième level. Et c'est là qu'à mon avis, les choses sérieuses vont commencer. Voilà. Et là, je peux vous dire que j'ai la pression, parce que je n'ai pas, je pense avoir réussi, je vais mettre pause quand même à cause du timer, mais je ne pense pas avoir réussi ce level par skill, mais plus par chance et par bourrinage. Je pense que c'est de cette façon que j'ai réussi à finir ce level. Et là, je suis quand même en grande panique, parce que sachez que si jamais je perds évidemment mes 4 putains de vies, on retourne au premier niveau. Donc voilà. Donc voilà. Donc là je vais courir parce que je sais que... Voilà, il y avait un truc qui est tombé, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, un objet marron sur un mur marron. Tout va bien. Donc là on est obligé d'aller chercher Tarkei, évidemment, pour ceux qui ont... et voilà, touché, évidemment. Parce que fuck it, voilà. Parce que le jeu est une saloperie. Putain. J'essaye d'esquiver... Là, vous le voyez peut-être pas. Mais j'essaye d'esquiver des fleurs, des pots, les tonneaux qui sont par terre. Regardez le pot ici. Voilà. Obligé de regarder à la fois en haut et en bas. C'est un truc de taré, ce jeu. Donc ensuite, il faut parler à cette petite fille. Lui faire traverser le truc là, parce que voilà, vous voyez, c'est trop profond, hein. Je veux dire, Tintin, il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça doit certainement arriver jusqu'au mollet de cette petite fille. Donc c'est trop. Évidemment, la petite fille ne veut pas tout le temps aller. Ne veut pas tout le temps avancer. Allez, ma grande. Allez, casse-toi. Merci. Alors, dis-moi, Tarkei, où est-ce qu'il est? Il est par là-bas. Hop là. Oh putain. Alors oui, j'ai paniqué parce qu'il y a le pot là. Là, merci. Il y a la fleur, j'ai vu la fleur. Avance, 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 avance. Oh de Dieu. Je sais pas pourquoi il y a cette caisse là déjà, je me souviens plus. Non! Là, il y a des feuilles partout. Oh putain, Tarkei, oui! Oh putain, first try! Ouh! Je gère! Et donc, premier mot de passe que l'on obtient, le mot de passe pour la montagne, donc 315. Voilà. Le level de la montagne et celui qui suit. Et celui qui suit, pour ma part, je les ai maîtrisés. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Voilà. Je vais boire un coup.
Sachez une chose, là j'arrive à faire les levels assez facilement, mais bien parce que j'ai passé au moins 3-4 heures d'affilée à m'entraîner. Parce que sinon, je peux vous dire que j'y serais certainement pas arrivé. J'ai passé un très long moment avant d'arriver à terminer le level 4. Hein. Mais bon, l'entraînement, tout ça, attendez, il y a une vie là-bas. Hop là, hop, hop. Parfait, il y a un obstacle qui est passé ici. Il faut pas toucher les yaks, hein, parce que les yaks c'est méchant. Il y a un caillou qui roule là. Ah, il faut faire gaffe à tout, hein, bien. Tintin au Tibet, attention, hein. C'est le style de jeu qui ne pardonne pas l'erreur. Tu ne peux pas découvrir tranquillement les levels. C'est juste pas possible. Il faut que tu meurs, que tu recommences, que tu progresses de 3-4% de plus dans le level pour remourir, pour reprogresser ensuite, pour remourir et pour réussir à le terminer. C'est par là parce qu'il y a un caillou qui va m'emmerder. Et le yak, barre-toi. Regardez-moi ce yak. Ah là là, ce yak a l'air très méchant quand même. Hein. Ah, il a l'air très très hostile. Tellement hostile qu'il fait que marcher, qu'il ne te fait même pas, il te fait même pas d'attaque ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, non, il est là. Ça c'est les yaks ici, ils sont juste là en fait. Mais ça s'arrête là. Bon. Là, là, hop là. Évidemment, vous avez vu toute la vie qu'il m'a enlevé. Hein. J'étais full life, il m'a enlevé au moins 2 points de vie d'un coup. Et on ne peut se faire toucher que, je crois, 3 ou 4 fois. Là, je vais me faire toucher par un caillou. Eh ben non, je tombe quand même comme un connard. Je tombe comme un connard, et si ça se trouve, là... Ah bah merde, les plateformes n'ont pas repopé. Eh ben vous voyez, là, je suis baisé. Je suis tout simplement baisé parce que... Bah... Ah, quoique non. Ah, peut-être. Peut-être que... Vu que l'herbe a repopé aussi. On recommence. Bah, vous avez vu, pour redire ce que je disais, vous avez vu le timer, quoi. C'est pas si serré que ça, donc je me demande pourquoi... Hop là. Pourquoi le joueur du grenier a eu autant de soucis avec le timer. Oh putain, c'est dingue ça. Allez. Monte, monte, monte. Si se trouve, le caillou va repopper, non? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et on est à la fin. Voilà, on est à la fin du level 5. On passe au level 6. Donc là, c'est un level très putassier. Vraiment très pute. Parce que pour le coup, toi, tu vois Milou, il se fait embarquer. Toi, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de faire exactement comme dans le level 1. C'est-à-dire rentrer dans l'eau et poursuivre... essayer de poursuivre Milou. Mais non! Non, mon bon ami, non! Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas rentrer dans l'eau. Parce qu'au départ, moi j'étais comme un con, j'essayais à chaque fois de rentrer et de nager dans l'eau, tout le temps. Oui, mais non, parce que, pour tout vous avouer, dans ce level... Il faut être dans l'eau le moins possible. Le moins possible, si jamais vous restez trop longtemps dans l'eau, c'est un appel à vous faire toucher. Et à chaque fois que vous voyez un tourbillon, eh ben, très souvent, les tourbillons, en fait, ils apparaissaient, mais totalement aléatoires, de façon complètement aléatoire, et ils apparaissaient sur ma pomme à chaque fois. Du coup, je prenais des dégâts ultra gratuitement, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il faut tout simplement rester sur le rocher. Donc la perspective est complètement dégueulasse, parce qu'on fait que d'aller à droite, alors que Tintin monte et descend assez souvent. Mais hormis ça, ce level est quand même assez court. Ah, c'est pas une plateforme, ça, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, donc voilà, le tourbillon qui m'a popé sur la tronche, parce que je... D'après le jeu, je n'avais pas à passer par ici. Voilà, donc c'est gratuit, c'est gentil, c'est voilà. Récupérer une petite pomme. Là, hop là. On n'est pas loin de la fin du level déjà. Hein. Hop, hop. Il me semble que Milou est juste ici. Voilà. Enfin, vous voyez, regardez le timer. Je suis à la moitié du temps.
Et je voyais le joueur du grenier qui s'énervait dessus en disant je dis putain, ce level va être coton. Bah finalement, finalement pas tant que ça. Mais encore une fois, je ne connaissais pas la tactique de rester le plus possible en dehors de l'eau. J'ai juste essayé comme ça quand je me suis rendu compte qu'on pouvait monter dessus. Et bah au final, c'est de cette façon que doit se faire ce level. Parce qu'on ne peut pas arriver à la fin en nageant tout du long. On ne peut pas. À chaque fois, t'as un tourbillon qui va popper sur toi de façon complètement aléatoire. Il n'y a aucun pattern à apprendre. C'est n'importe quoi. Et on est donc en face du level qui me fait criser. Voilà. Le level que je n'ai jamais réussi à passer. Cette espèce de niveau complètement stupide et complètement barré. Qui nous demande de rester toujours à droite, je crois, ou à gauche, je sais plus, je m'en fous. Toujours à gauche des temples, voilà, parce qu'il y a des cendres de lama. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, dans Tintin au Tibet, des temples comme ça, vous vous souvenez combien il y en avait ? Il y en avait un. Il y en avait un seul de temple comme ça. Mais là, comme vous pouvez le voir, il y en a à peu près une cinquantaine. Donc là, il y a... Putain. Là, il y a toute la famille du grand lama qui est... voilà. Enfin bon. Mais c'est d'un ridicule. Puis en plus, vous voyez la caméra. La caméra est dégueulasse. On ne voit rien de ce qui arrive. Les hitbox sont pétés. Je veux dire... Ce jeu, mais putain, ce level, regarde-moi ça, qu'est-ce qui m'a touché, j'ai failli crever. Ce niveau, mais qui a designé ce niveau? J'espère qu'aujourd'hui il ne fait plus aucun jeu vidéo de sa vie. Sans déconner. Vas-y, malheureusement, j'ai pas sauté assez vite. Putain. Allez, mon grand, voilà. Et t'as le pire, c'est que t'as l'impression que c'est une descente, mais une descente sans fin, quoi. Allez, fais-toi toucher, putain. Allez, je ne sais plus. Et là, on est dans le... Hop là, dans la phase de la panique. Pourquoi de la panique ? Eh ben voilà pourquoi. On est dans la phase de la panique, tout simplement parce que à chaque fois que tu progresses dans ces putains de jeux qui sont du même calibre que ce putain de Tintin au Tibet... Eh ben, dès que tu arrives un tantinet plus loin que le moment où tu avais l'habitude d'atteindre dans tes précédents essais, j'ai été baissé, espèce de connard. Tu paniques. Voilà, c'est la panique. Tu ne sais pas quoi faire. Du coup, tu sautes, tu te baisses, tu te dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien à ma vie. Et tu te prends une claque, évidemment, et tu recommences. Et voilà, encore une fois. Hop là. Ah, évidemment, les plateformes sont complètement dégueulasses. Hein, parce que, voilà. Parce que, à certains moments, vous regardez. À certains moments, vous pensez que vous pouvez sauter, mais non. Parce qu'étant donné que la construction de ces putains de lignes droites de merde, qui n'ont plus aucune perspective dans ce jeu pourri, pour tout te dire, Tintin va tomber. Il va souvent tomber. Parce que la plateforme va subitement faire, plutôt qu'une espèce de pente comme il est en train de le faire là pour l'instant, tout d'un coup, voilà, il va faire un espèce de virage à 80 degrés, et voilà, ou alors il se colle tout simplement aux autres plateformes, étant donné que la perspective n'a pas de sens! Mon Dieu! J'ai niqué toutes les vies que j'ai récupérées là-dessus. Ah, c'est pratique, hein. Là, c'est ma dernière vie. Si jamais je ne réussis pas... Voilà, hitbox d'enfoiré. Saute, putain. Et voilà, il s'est collé, mais putain. Ah, on va le voir souvent, ce game over. Oh, nom de Dieu. Bon, bah du coup, écoutez, ça fait le premier continu. Voilà. Premier continu, au bout d'une demi-heure... Une demi-heure de vidéo. Et c'est là que vous voyez la chose que je vous ai dite, à savoir le semi-continu. C'est-à-dire si jamais on appuie sur jeu directement pour reprendre. What? Ah mais oui, putain, quel con. J'ai fait l'abruti. Autant pour moi. Comment est-ce qu'on va faire, tiens? Voilà. On va faire comme...
comme ce que je dois faire d'habitude. Ah, excusez-moi. Un petit reset. Merci. Non pas pour... Je veux dire, on a eu le mot de passe, on connaît le mot de passe. C'est pas un one run hein, que j'essaye de faire, donc calmez-vous. Hein. Mais vu qu'on a le mot de passe, voilà, on peut se permettre d'utiliser des continues avec le mot de passe. Donc en fait, là, je suis en train de réfléchir que non, ce n'est pas un système de continues comme je pensais, mais il faut impérativement aller dans le mode option. On va remettre en facile, parce qu'il faut pas déconner. Mais entrer le mot de passe, voilà. Et c'est une fois que vous avez entré ce mot de passe. Dans la console, la console garde en tête le mot de passe que vous avez utilisé, donc du coup quand vous appuyez sur jeu, vous reprenez à la montagne. Mon dieu, enfin bon, allons-y, on recommence pour ce level. Donc un continu de griller, atteindre la vie là-bas, tout en sachant que... putain, t'es sérieux, le yak? Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as foutu un coup de queue? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je sais même plus. Putain. Si, ça commence. Tout en sachant que, évidemment, ça tous les joueurs de jeux de plateforme assez ardus le savent, c'est qu'arrivé un moment, bah, on fait n'importe quoi. À force de perdre, les levels que pourtant on a réussi à maîtriser, subitement, on fait des conneries. on ne sait plus comment les réaliser. Bon, je pense que là, il y a deux levels à faire. Ce ne sera pas très long, mais ce sera quand même assez chiant. Voilà. Ce sera quand même assez chiant de refaire à chaque fois ces saletés de level à la mort moelle-neu. Enfin bon. Allez, Tintin, magne-toi. Voilà. Zip là. Il faut avoir de bons réflexes ici, hein, parce que sinon... sinon, tu crèves, mon coco. Bah oui. Allez, mais récupère-la, cette touffe d'herbe. Povia qui sont complètement paumés. Comment ils font pour survivre avec toute l'herbe qui se trouve partout mais pas sur leur chemin? Comment ils font pour survivre, ces mecs? Il y a une pomme cachée là. Voilà. On se retrouve full life si ma mémoire est bonne. Oh, putain. Allez, Skyou, tu fais comment pour l'éviter? J'aimerais bien qu'on me réponde. Enfin bon, oui, pauvre Milou, on s'en fout. On s'en fout du chien. Regarde, plutôt que de l'attendre, là, tu peux pas... Hop là, un petit plongeon, tu le récupères et c'est terminé. Mais non, c'est pas assez... C'est pas assez Tintin. Voilà, parce que Tintin, lui, pour résoudre des... Hop là, pour résoudre des problèmes, il fait toujours des... Wouah, jolie la perspective, hein, les gars. Et voilà, encore une fois, là je ne peux rien faire à cause de ce tronc de ce bois de merde là. Du coup, je vais me retrouver comme un con. Allez, monte là-dessus, il y a une pomme à récupérer là-bas. Mais... Oh ! Et cette façon que Tintin a de glisser à chaque fois qu'il court. Allez, récupère la pomme. Et cassos. Hop là. Cette façon, la perspective est tellement sale dans ce jeu, c'est assez impressionnant. Hop là. Allez. L'axe Z, putain, dans ce jeu est quand même assez chaotique. Hop là. Alors je sais que ça a l'air très con, hein, de voir ce que vous voyez, hein. Tintin qui saute un petit peu partout comme un bunny. Mais non, c'est comme ça que ça se joue. Voilà. Ce level doit se faire comme ça, sinon tu l'as dans le cul. Voilà. Sinon tu l'as dans le cul, t'arriveras pas à progresser, tu te feras toucher sans cesse, tu vas t'énerver et t'arriveras pas à jouer. Voilà. Une petite pomme gratis, on se retrouve full life. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, Milou est juste ici. Oui, bien. Bon, les deux levels sont faits. Donc maintenant on se retrouve sur l'autre. Voilà. Ce putain de lama à la mort moelle-neu. Grand lama. Je t'en foutrais.
putain, puis moi en plus qui ne supporte pas ces superstitions à la mort moelle-neu. Mais, faut passer là-bas parce que sinon ça porte malheur, ta gueule. Putain. Je t'en foutrais, tu ça porte malheur. Oh là là, mais 150 obstacles, vas-y, fais-toi plaisir. Hop là, hop là, hop là. Allez mon grand. Oh putain, on est passé. Non, il a pas voulu sauter. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, ouf, putain, il a pris la bonne. Allez, tu peux me dire pourquoi tu cours, Tintin? Pourquoi tu marches pas? C'est saut 1880 de marcher. Allez. Allez. Oh putain. Ah, commence pas à te faire toucher pour rien. Non. Ah, je sais plus quoi faire. Mais j'étais baissé, connard. Oh nom de Dieu, j'ai passé le level. Oh putain, j'ai passé le niveau. Ok. Et comment on joue? Putain, comment on joue, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ce... Je le découvre, hein, ce niveau, je ne le connais pas. Je ne connais pas du tout ce level. J'ai l'impression qu'encore une fois, la perspective a l'air dégueulasse. Ça a servi à quoi, ça, au final? Ah, d'accord, c'est des plateformes, ça. Ok. Why not? Tu fais pour pas te faire... Comme ça que ça marche? Ah d'accord, bon certainement. Je ne sais... Cassos? Oh! Putain! Là je peux vous dire, mais j'ai les réflexes d'un chat là. J'ai les réflexes d'un putain de chat qui essaye d'atteindre... Ah! Arrête! Mais vas-y! J'ai les réflexes d'un putain de chat qui essaye d'attraper un laser. What? Bah, et où la suite? Ah, c'est ça! Oh putain! Je sens la bouboule. Je sens la bouboule. Oh bah non. Non, des stalactites, c'est mieux! C'est mieux des stalactites. Bon, 3 vies. J'ai plutôt bien progressé, j'ai un mince espoir sur le fait que les levels ne sont pas très longs, donc je pense avoir fait la moitié du niveau, j'espère. On va bien voir, de toute façon, bon. C'est par là, on va relever ça, voilà. Et pose ça, on s'en fout, voilà. Alors, hop. Allez, mes putes. Allez, Tintin. Putain, t'es un de mes personnages de BD favoris. Putain, te voir faire participer à un jeu pareil, mais merde. Cassos, cassos. Hop là. Hop là. Hop là. On va peut-être passer ici, non? Non. Ah, putain, faut rusher, quoi. Faut rusher, sinon... Hop là. Faut rusher, sinon tu te prends la boule, quoi. Bon, ensuite, je suis mort. Ici, putain, oui, avec les trucs, là. What? Bah, faut que je monte, là, non? Bah, faut pas que je monte? Je sais pas, si je passe par là, comment ça se passe? Hop là, hop là, hop là... Est-ce qu'il y a une logique à ce que je suis en train de faire ou pas? Oui, non? On se prononce pas? Ah, peut-être qu'il faut que je passe par là. Là. Récupère ça. Fais tomber ça. Ah, c'est elle, lâche ça, voilà. Eh bien. Ça sert à quoi? What? Ah non, ça sert à rien. Mais... Ah non, ah, je peux monter dessus. D'accord. D'accord. Ah! Mais what?
putain, mais les mecs ils sont crus dans Indiana Jones quoi, putain, c'est Tintin. C'est quoi ça? C'est des en... C'est pas un endroit sur le dans lequel j'étais déjà passé? Ah, pff, oh, Tintin, putain! Allez! Ah, oh, Tintin! Plateforme pourrie! Ah putain! Bon, je vais visiter ce qu'il y a ici. Il y a pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant. Quoique, je sens tellement la boule ou le truc qui va me tomber sur la tête. Oh! Pouh! Ça, c'est la fin du level là? S'il vous plaît! Non! Non! Putain, mais j'y crois pas. Putain, cassos. J'espère que tous les obstacles n'ont pas repopé. Parce que là, sinon, je suis dans une merde. Parce que le timer est presque fini. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Allez, Tintin, putain! Magne-toi! Hop là, hop, la crevasse. Hop! C'est bon? Putain, et ça se passe... Oh! Un mot de passe! Oui! Oui! Un mot de passe! Combien? 907. L'épave. Wouah! Wouah! Un petit coup d'eau, tiens. Faut que je m'en souvienne. 907. Bon. L'épave. L'épave. Bah on a atteint un nouvel endroit. On a atteint un nouvel endroit, j'ai envie de dire. Un endroit que je ne connais pas. Peut-être une pomme ici. Bonjour capitaine. Je peux pas te parler? Non? T'en fous? Ah si. Une corde peut vous être utile. C'est... Ce que tu dis est également très utile. Tiens. Commence pas avec ça, hein. Les trucs qui volent au pif. D'accord. Le saut de l'ange, mon ami, le saut de l'ange. Oui, cette musique est restée gravée dans ma cervelle à cause de vous savez quoi. Bon de toute façon. Je vais essayer de voir le capitaine parce que. Mais il s'en fout en fait. Vous entendez Milou, que se passe-t-il? Déjà. Hitbox pourri! Déjà, non, je n'entends pas Milou. Ce truc, c'est la dèche. La dèche des obstacles, quoi. Putain, mais on voit rien! Me dis pas que je suis obligé. What? Ah, ça, je connais cet endroit. Oh, oh, oh! Truc qui bouge là. Oui. Oh lol! Je me fais toucher comme. Bah, j'ai vu la corde en tout cas. J'ai vu la corde. Mais au final, Capitaine Haddock, c'est. Enfin, dans ce level, apparemment, il est tout aussi utile que l'espèce d'autre trou de balle que j'avais trouvé dans la montagne. Oui, parce qu'il y a un espèce de PNJ dans la montagne. Et en fait, ce PNJ te sort une info magnifique. Oh, calme-toi. Et l'info magnifique de ce PNJ, c'est... les yaks aiment bien l'herbe. Merci, monsieur. Ah, calme-toi, Tintin. Prends la corde, merci. Où est-ce qu'on sort, là? On sort par ici. C'est une plateforme, le siège, ou quoi? Oh! J'entendais Milou, que se passe-t-il? Je n'entends toujours pas Milou, espèce de dégénéré. Est-ce que je peux passer par là, du coup? Oui? Apparemment, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas ça, les murs à passer au piolier? Je crois, ouais. Il me semble que c'est ça, il faut le piolet pour pouvoir passer. Sauf que le piolet, je n'ai pas le piolet, moi. Vite avant que c'est trop tard, il a bougé. Tarké, bonjour.
t'éloigne pas sans ton piolet. Ah, il m'a donné le piolet. Alors, c'est quoi comme bouton pour l'utiliser? C'est le bouton courir. D'accord. Donc, le bouton courir, c'est pour le piolet. Il faut que je repasse par là. Pourquoi? Des trucs complètement... Oh là 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 là, des trucs complètement hasardeux. Ah, fuck! Game over. Bon, c'est le deuxième. Deuxième continue, on est parti. Sachant que moi, je vais faire une petite pause à une heure. À une heure de vidéo, à peu près. Une heure pour moi. Hein. Donc, option 907. Voilà. C'était ça, le mot de passe. Donc, 907. L'épave. Ah, c'est bien ça. Parfait. Ah oui, une petite note. Ouais, on est sur Super Nintendo. Hein, ça, je l'ai déjà précisé. La version que montrait le joueur du grenier était la version Mega Drive. Graphiquement, elle est à peu près équivalente. Mais au niveau des sons, putain, la Mega Drive. Bah, c'est la Mega Drive, quoi. J'ai envie de te dire. Merde. J'ai envie de te dire, c'est la Mega Drive, du coup, bah, c'est pas tip top. Fallait que je parle à lui d'abord. Et après rentrer dans l'épave. Et après me faire défoncer la gueule par tous ces objets. De toute façon, allons-y, hein, allons-y gaiement. Mais récupère la corde. Quand même. Allez. Donc, j'ai la corde, j'ai le piolet. Un peu de pomme, là, un petit peu de vie, et là maintenant je peux passer par ici. Alors putain, comment l'utiliser ce piolet? Parce que moi j'ai pas le livret. Mais what? Ouais, putain, l'utilisation du piolet, je l'ai pas comprise. Est-ce que c'est automatique? Est-ce que j'ai appuyé sur quelque chose? Ça a l'air automatique. Déjà, il se colle au mur. Ça a l'air automatique. Ensuite, il faut maintenir le bouton haut et maintenir, je crois, le bouton B pour pouvoir faire marcher ce truc-là. Oh putain, le petit caillou. Ta mère, le caillou. Ta mère. Qu'est-ce qu'il y a ici? What? Une corde. Ah d'accord, elle sert à ça, la corde. Ok. Allons-y. C'était quoi le truc à dire dans ce cas-là? Ah oui. C'était génial. Pourquoi il n'a pas attrapé la corde? Mais pourquoi ils sont pas sur la plateforme? Nom de Dieu! Allez, mon gars. Les objets qui repopent. Youpidou. Wouhou. A dit de continuer. Je vais le noter quelque part parce que je sens qu'à mon avis je vais tellement m'énerver. Hop là. Donc, on a utilisé de continue. Ah bah il faut que je récupère tout. Mais non, mais évidemment. Sinon t'es pas drôle. Ah bah ouais Gaspard. Putain. Et vite passe. Y'a pas l'hélice. Voilà. Ziou. J'ai dit ziou. Hein, récupérer le piolet à la minorité. Oui, c'est une insulte raciste gratuite. Exactement. C'est bien. Oh, mais putain, mais comment tu veux passer ces merdes? Est-ce que tu peux... Ah, tu peux ramper? Je savais pas. Qu'est-ce que c'est que ce demi-zub, là? Pfff. Ah, te faire enculer. Exactement. Manger la corde, le piolet... Récupérer la pop-pomme. Mais par contre, putain, mais... La corde. Tu l'utilises comment, la corde? Bon, j'ai compris comment fonctionnait le piolet. Alors, en fait, quand on a une surface comme ça... Tintin se colle dessus. Et maintenez B et la direction O pour pouvoir... Il y avait... et la direction O pour pouvoir l'utiliser.
Oh putain, j'ai bien intuité là pour le coup. Je me suis demandé si ça allait passer. Enfin bon, les musiques sont pas trop mal, hein, j'ai l'impression. Hein. Ah, tiens. Oh putain, j'ai réussi. Oui, ya 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 ya. Et jump. Seal. Oui. Ah, il y a une surface pour le piolet là-bas. Et hop. Eh ben, Tintin, eh ben. Pourquoi il a pas utilisé le piolet? Pourquoi il a pas fait? Pourquoi il a pas fait, Tintin? Tintin, t'es con, Tintin? Ou alors faut que je martèle le bouton. Mais ta mère, toi! Putain! Faut que je martèle le bouton B, c'est ça? D'accord, j'ai compris pour la corde. En fait, il faut juste être au bout de la corde et pas dessus, sinon ça marche pas. Donc. Mais putain, ta grand-mère! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je peux plus? Oh là 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 là. Ah, ça a l'air d'être un niveau d'anthologie encore, ça. Mais. Je ne comprends rien pour le piolet. Il va repopper le machin, tu vas voir. Non? Il n'a pas repopé. Ok. Donc. Mais putain, non, descends. Comment tu fais pour ce putain de piolet? Bordel! Hop! Bouton! Comment tu fais, nom de Dieu? Je sais pas comment on fait. Voilà. Je sais pas comment on fait. C'est très la tristesse. Ah putain, c'est quoi? C'est ma dernière vie là? On est à 52 minutes. D'accord. Je séparerai la vidéo en deux, histoire que ça vous fasse pas des vidéos trop longues de 2 heures ou 3 heures. Mais mon dieu. Bah, je suis quand même content, hein, mine de rien, parce que je suis plus loin que pendant mes périodes d'entraînement. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est déjà une victoire. Alors, je peux ramper. D'ailleurs, rampe ta sœur. Rape your sister, voilà ce que j'ai à dire. Bon. Récupérer la pomme, voilà, tiens, cassos, il remonte en haut, gnagnagna, c'est le fun. Non, mais le bouton B, c'est bel et bien le piolet, voilà. Putain, oh, je vais tout le temps l'oublier, ce machin. Le caillou, dépêche-toi. Punaise. Le bouton B, c'est bel et bien le piolet. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Allez, hop, voilà, hop, tranquille, allez, putain, je martèle le bouton B, il se passe rien! Putain, je crois que je vais aller voir vite fait sur internet comment on s'en sert de ce machin. Mais, bravo, la plateforme, il passe à travers, hein. De Dieu! Allez! L'autre truc il va repopper, tu vas voir? Non? Oui, non? Non? Il me fait des feintes, cet enfoiré. Pas besoin de monter, Tintin. La corde là. Voilà. Hop. 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 Allez! Mais putain, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Bordel de merde! Wow. Allez. Le truc a pas repopé au moment où je l'avais oublié. C'est plutôt un bon point. C'est plutôt... The fuck ! Arrête de bouger ! Mais pourquoi il veut plus sauter ? Il veut plus sauter de la corde ! OMG ! Putain! Mais what? Mais. Ah! Ouh! Oh bah vas-y, gratuit! La gratuité! Oh, putain!
putain, la gratuité. Alors, je sais pas si c'est un... Hop là. Je sais pas si c'est un message... Un message du destin. Mais là, pour tout vous dire, je suis rentré du boulot. Et quand je suis rentré du boulot, j'ai croisé un camion. Avec... le camion, c'était un camion d'entreprise. Hein. Et le camion d'entreprise, en fait, c'était Salty. Voilà. C'était le nom de l'entreprise, Salty. Voilà. Putain, mais... C'est dingue, ce gameplay de... Putain. Mais là, le timer, il est cuit, là. Allez. 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 Le timer est complètement cuit, et voilà. Merci, Trifon. Merci, Trifon. 48% du jeu effectué. Et même pas la moitié, hein. Bon, vous m'excuserez, moi je vais faire une petite pause. Ça fait 56 minutes, ou quoi que, je vais rester là. Je vais vous parler un petit peu. Hop là. Je vous parlais un petit peu de 2-3 petites choses, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de gros jeux en ce moment, je tenais quand même à vous le dire. Il risque d'y avoir pas mal de vidéos de ce genre, à savoir des vidéos de gameplay comme ça sur certains jeux, notamment des jeux rétro, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, vraiment à l'époque de l'époque, hein, j'avais fait une vidéo sur Castlevania 1, et le souci c'est que je voulais tout simplement l'enlever. Voilà, j'ai simplement enlevé la vidéo, parce qu'elle ne me plaisait pas, c'était fait à l'arrache, ce genre de conneries. Mais le problème, c'est que vous savez, des jeux NES, c'est assez difficile pour moi de faire des vidéos tests dessus, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Souvent, les jeux NES, en fait, c'est... Si tu veux voir à quel point c'est bien ou à quel point c'est pas bien, eh ben, il faut que tu l'aies en main, quoi. La plupart des jeux, c'est comme ça. Mais je me suis dit, faire des espèces de crash tests comme ça, un petit peu avec ce que je fais avec Tintin, finalement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ça me permettrait de parler vite fait du jeu tout en faisant un petit crash test comme ça. Donc ça peut être cool. Vous me direz ce que vous en pensez. Sachant que je veux faire ça pour Castlevania. Ah, le briquet marche plus. Ah, c'est con, dommage. Est-ce qu'il est l'autre? Voilà, mieux. Je compte faire ça donc pour Castlevania. Mais également pour Battletoads, pour DuckTales, peut-être pour Super Mario Bros 2 ou 3, même si ça m'étonnerait. Pour Chip and Dale également. Et pour d'autres jeux. Tortue Ninja, je crois que j'ai encore la vidéo sur ma chaîne. Donc, je ne pense pas que ça va être utile de... ça va pas vraiment être utile, en fait, tout simplement, de refaire une vidéo dessus. Si ce n'est pour le terminer. Ceux qui m'ont vu en live, d'ailleurs, à la période de Noël, vous avez vu que on peut terminer Tortue Ninja. On l'a terminé, d'ailleurs. Au first try, en plus, je crois, sans continu. On va terminer Castlevania 1. On n'a pas terminé le Roi Lion parce que l'émulateur a planté. Quoi, c'est bien les émulateurs, hein. Tiens, on refait un... Ah, quoique non, j'ai déjà présenté le Roi Lion. Il y a tellement de jeux. La PlayStation 2 va peut-être faire son retour sur ma chaîne. Parce qu'il y a pas mal de jeux que j'aimerais bien refaire tout simplement en vidéo. Que j'aimerais bien faire en vidéo. Faire des tests comme Resident Evil Code Veronica que je vous ai présenté en découverte mais pas en test. Faut savoir que je ne l'ai pas terminé Code Veronica et je ne sais pas si un jour je le terminerai, j'en sais rien du tout. Mais enfin bon. C'est bien quand tu vois que la démo, en fait, la démo du jeu, elle en prend plein la gueule. Même l'ordinateur se plante. C'est très le GG quand même. Mais bon, en ce qui concerne la PS2, il y aura peut-être God of War que je vous ferai en vidéo.
Beyond Good and Evil également qui est prévu. Donc Resident Evil Code Veronica. Final Fantasy XII que je suis en train de faire de mon côté. Ainsi que le dixième aussi. Le dixième, je pense à mon avis, le FF10, ça va faire comme Dragon Quest 8 en fait. Je vais faire le même type de vidéo que Dragon Quest 8. Tekken 5 également, Gran Turismo 3 et 4. Et au passage, je tiens à préciser le style de jeu qui ne verront pas le jour sur ma chaîne. En premier lieu pour l'instant, enfin du moins j'ai envie de te dire pour l'instant, c'est très peu probable que ça vienne un jour. À savoir Kingdom Hearts 1 et 2, que j'ai pas envie de faire. Tales of Symphonia 2 que finalement je voulais faire mais que je n'arrive pas. Non pas que j'arrive pas à le faire, mais je ne suis pas intéressé à faire un truc sur ce jeu. Je compte peut-être refaire ma vidéo test de The Last Story, histoire de lui redonner un coup de neuf, quoi, parce que voilà quoi, l'ancienne est très vieille, et pour le coup, j'aimerais bien lui redonner un petit coup de neuf. Puis sinon, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que... Ah oui, Pandora's Tower également, qu'il va falloir que je m'y attelle. Je voulais vous faire également une vidéo de Red Steel aussi, qui était un des premiers jeux de la Wii. Un jeu assez sympathique, mais bon, qui a très mal vieilli. très mal vieilli, autant dans le gameplay que dans les graphismes ou dans tout ce que tu veux. Mais enfin bon, donc là vous avez un petit peu un aperçu de ce que je compte faire prochainement. Ah oui, et pareil pour Megaman et Megaman 2 que je possède également. Donc j'aimerais bien les proposer en vidéo aussi, ainsi que 2-3 petits jeux Nintendo 64 ou Super Nintendo également. Bon, on coupe la première partie là, on est toujours à 2 continues je crois, là c'est le troisième maintenant. Voilà, 3. Là, c'est le troisième. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour qu'on essaye de passer ce putain de level de l'épave. Allez, je vous dis à dans 2-3 jours pour la suite de cette vidéo.